Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtus, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Le Rusher de l'Extrême. Alors j'avais présenté un peu la série dans l'épisode précédent, pour ceux qui ne l'auraient pas vu je mettrai le lien en annotation et dans la description. Donc comme ça vous pourrez aller voir à peu près en quoi consiste cette série. Donc je vais tout simplement présenter un peu le gameplay et après on rentrera vite dans le vif du sujet. Donc je rappelle à peu près le concept en même pas 30 secondes. Donc vous devez tout simplement me donner des classes et moi je m'amuse sur Call of Duty Black Ops 2 à prendre ces classes et tout simplement rusher tout au long de la partie. Je dis bien rusher et non pas camper, je rush tout le long de la partie. Et du coup voilà, donc la classe que j'ai choisie et qui m'a été proposée par un abonné. Donc j'ai testé plusieurs classes, mais s'il vous plaît, quand vous créez des classes, s'il vous plaît, faites en sorte que ce soit possible. Parce que j'ai testé des classes avec des potes qui sont actuellement avec moi. Donc il y a Skint et Noxy, je leur fais une petite dédicace. J'ai testé des classes, c'est... what the fuck? Les mecs, essayez de avant de pouvoir me proposer des classes, essayez vous-même les classes et après proposez-les moi, parce que les classes qui m'ont été proposées, c'est complètement impossible. Mes potes l'ont testé aussi, j'ai testé, etc. Alors je vais vous présenter un peu ma classe. Donc cette classe m'a été proposée par Nicolas, je crois. Je suis pas sûr, je m'en rappelle plus. Alors, j'ai la SWAT 556 avec poids léger, pillard et main leste et silence de mort. Mortel, j'ai C4, j'ai pas autre chose, j'ai pas de fumigène. En arme secondaire, j'ai le TAC-45 et j'ai le viseur réflexe qui m'a été proposé. Et voilà. Alors, le but, donc je présente aussi ma série, donc qui est... toi je t'ai vu, oui je t'ai eu, yes. Donc aéronef et aéronef, microstation et chien. Donc je tiens à préciser que tous les commentaires de ce genre sont faits en live, hein. Donc c'est pour ça que des fois vous pouvez voir que j'arrête de parler ou des trucs comme ça, parce que c'est assez chaud, bref. Et du coup voilà, donc le but, comme je l'ai dit, de la série, c'est tout simplement de réaliser ma série de victimes tout au long de la partie le plus de fois possible. Alors je ne veux pas vous spoiler, de toute manière je ne connais pas le sort et l'issue de la partie. Je ne sais pas si je vais réussir ou non, mais si je réussis pas, ben, je le mettrai quand même. Et si je le réussis, ben, je le mettrai quand même. En tous les cas je le mettrai, comme ça ça met un peu de suspense. Et du coup voilà, donc comme je le disais, oui, quand vous me proposez des classes, vous pouvez toujours m'en proposer d'ailleurs dans l'espace commentaire. Je remercie celui qui vient de poser une microstation orbitale. Donc quand vous posez et vous me proposez des classes, s'il vous plaît, quand vous proposez des classes, essayez de faire en sorte que les classes soient faisables. Alors on m'a proposé une classe que j'ai acceptée parce qu'elle avait énormément de commentaires et de likes. C'était une classe bouclier. Alors ok, une classe bouclier, tranquille. Donc la classe était la suivante. Donc bouclier anti-émeute avec en arme secondaire l'arbalète. Ok, donc l'arbalète, ok, il n'y a pas de souci. Donc je joue avec cette classe. Donc il y avait des atouts, j'avais le roi C4 heureusement, parce que sinon ça aurait été un bordel. Et cette classe est complètement infaisable. Je la mettrai dans la description pour ceux qui voudront tester. Mais c'est... c'est juste méga dur de jouer avec cette classe, je vous assure, c'est horrible. Moi j'ai fait une dizaine de parties avec cette classe et impossible de faire 3 kills, bah d'enchaîner 3 kills d'affilée, c'est complètement impossible. Tout simplement parce que déjà les mecs campent, donc ça arrange pas les choses. Donc migration des autres, mais bon c'est pas très grave. Donc déjà les mecs campent, c'est pas très... c'est pas très... très facile. Du coup ça... c'était assez dur, donc j'ai fait un peu toutes les maps, hein. J'ai... t'es sur raid, voilà, toi tu meurs, comme ça c'est fait. Donc vous allez dire, ouais mais Virtus tu campes un peu là, tu restes toujours au même endroit. Non, on appelle ça du rush intérieur. C'est pas grave, je sais que ça se dit pas, mais bon, on appelle ça du rush intérieur. Donc c'est à dire rusher dans un endroit restreint et voilà. C'est un mot, c'est un terme que j'ai inventé. Donc s'il y en a qui
font tout simplement du rush intérieur, bah vous êtes mes copains, vous êtes mes frères, vous êtes tout ce que vous voulez, vous êtes mes potes. Du rush intérieur, non mais... Quelle connerie, j'invente pas quoi. Bref, j'ai plus de balles. Ouais bah en plus le mec il m'a même pas mis pillard. C'est sympa. Comment vous voulez que je termine une partie alors que je n'ai plus de balles? Oula, je suis presque à ma microstation. En espérant que je vais la réaliser. Oui, donc si la classe que j'ai actuellement dans la partie, je la mettrai dans la description pour ceux qui voudront tout simplement tester. Hein. Parce que moi, si vous voulez tester et me dire ce que vous avez fait, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. J'aime bien communiquer avec vous. Vous faites cette classe, vous mettez votre score dans les espaces commentaires. Et après, voilà. Donc, je viens de débloquer mon aéronef furtif. On est presque arrivé à la microstation orbitale et peut-être au chien. On va voir ce que ça donne. On reste au fil de la partie. La première manche va se terminer. Ça fait déjà la deuxième migration des autres qu'on a dans cette partie. Mais bon, voilà, on n'y peut rien, c'est les connexions en attente. Donc il faut attendre 15 secondes. Ah bah bravo, Treyarch, j'allais dire Rockstar, mais non c'est Treyarch. Donc je fais actuellement du 17-4, ce qui est pas un score, qui est un score assez potable. C'est vrai que quand j'avais présenté la série, j'avais fait une très très mauvaise partie. Je vous l'avais dit, hein, des fois je fais des bonnes parties, des fois je fais des mauvaises parties. Ça dépend vraiment de mon humeur, si je me sens bien, ce que j'ai fait juste avant, avec qui je suis, bref. Ça dépend un peu de tout. Donc si des gens font des mauvaises parties et des bonnes parties en même temps, une bonne partie, une mauvaise partie, ça arrive. Donc la partie vient de bugger. Je suis légèrement dégoûté, on va en refaire une autre. Donc je vais tout simplement demander à Nuxi de relancer. Le groupe n'est plus actif, ah bah bravo. Je pense que c'est mon pote qui a bugué. Je sais pas du tout. On va tout simplement le rejoindre, on va voir ce que ça nous dit. Et en espérant que... Bah non, ça doit être mon pote qui a bugué. Non. Non, c'est tout simplement moi qui ai bugué. Donc j'ai réussi à re-rentrer dans la partie. Vous l'aviez bien vu, j'avais mon aéronef furtif. J'ai failli débloquer ma microstation orbitale. Malheureusement, la partie a bugué. J'ai réussi quand même à re-rentrer dedans. On va continuer. Je fais toujours du 0-0. Je me retrouve face à contre mes potes. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est dommage. C'est le seul défaut de ce jeu. Black Ops 2, moi, c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément. Mais le seul défaut, c'est que... tout simplement, la connexion. Ce jeu se base trop sur la connexion. Et c'est réellement dommage. Donc, je vais me bouffer la grenade. Merci, Noxy. C'est vraiment dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Vous pouvez me donner vos avis sur le jeu aussi. Ça compte un peu pour moi aussi de savoir ce que vous en pensez, etc. Oui, voilà, toi je t'ai eu. Et il a désamorcé sa microstation orbitale. Hop là. Bref, donc oui, vous me donnez un peu vos avis dans l'espace commentaire sur le jeu, sur ma partie, etc. Oh là, il y a trois personnes qui sont arrivées en même temps là, what the fuck. C'est impossible. Non. Non mais là je me fais défoncer par mes propres potes alors que j'étais déjà en bonne partie. Mais bon, j'assume, quand je fais des mauvaises parties, comme j'ai dit il y a très longtemps, j'assume. Je fais des bonnes parties, j'assume aussi. Là je suis littéralement en train de me faire broyer et démonter par mes ennemis. Je viens de tuer mon pote, je pense qu'il était en série. Je pense qu'il va m'en vouloir, mais c'est pas très grave. Il me tuera juste après. Donc on va quand même essayer de refaire une bonne petite partie. Oula, j'ai vu. Ah, il y a le Warthog qui arrive. Voilà, voilà, gardien détruit. La partie est un peu dérangée. Là, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. J'espère vraiment que ça vous dérangera pas en tout cas. Mais j'allais de toute manière, ça se voyait directement que j'allais avoir ma microstation orbitale. Hein. Il y en a qui vont dire que je suis prétentieux, mais bon. Quand je débloque l'aéronef furtif, en plus il y avait quelqu'un qui était inactif devant moi. Il y avait énormément de chances pour que je puisse la débloquer. Après, je sais pas ce qui aurait pu se passer, mais pour le moment, je ne pourrais jamais savoir. Hein. Et donc du coup, c'est assez dommage que ce jeu se base sur la connexion, c'est réellement dommage. J'étais bien parti en plus, j'étais à fond dedans et voilà, je suis un peu... Vous le voyez un peu dans le commentaire, de toute manière je suis un peu dégoûté d'avoir tout simplement perdu ma bonne partie.
Après, d'autres personnes diront ouais, mais c'est pas une bonne partie, etc. Mais bon, c'était quand même pour vous que j'avais fait ça, etc. Ça, je suis un peu dégoûté. Mais bon, on se rattrapera sur le prochain épisode en tout cas. J'espère en tout cas que cette série vous plaît. Vous pouvez me donner tous vos avis dans l'espace commentaire de cette série si ça vous plaît. Donnez-moi des classes. Et je tiens à préciser que c'est pas obligé que ce soit sur Black Ops 2 hein, les classes. Hein. Vous pouvez très bien me proposer des classes sur MW3, MW2, Black Ops 1. Vraiment tous les Call of Duty. Il n'y a pas de Call of Duty. Il n'y a pas de restriction en termes de Call of Duty. Vous pouvez vraiment me proposer un peu tout un panel. Il y a vraiment de quoi faire en termes de classes assez what the fuck. Mais essayez de faire en sorte que ce soit des classes faisables et des parties réalisables. Ou alors vous me donnez une classe assez dure, mais vous ne me demandez pas de réaliser des score streaks de ouf tel. Parce que le mec avec le bouclier. Et le bouclier, il m'avait tout simplement de réaliser les chiens. Il m'avait demandé de réaliser les chiens en partie avec le bouclier et l'arbalète. Je suis pas un joueur arbalèteur. Si ça se dit pas, c'est pas grave. Mais du coup, voilà. Moi, c'est pas trop mon kiff, l'arbalète. Je pense pas que c'est le kiff de tout le monde. Du coup, pour terminer cette partie, vous voyez bien que je joue au TAC 45. Je me débrouille plutôt pas mal. J'ai l'air de gérer bien au TAC 45. Aïe, d'accord, on va regarder cette kit cam. Donc le mec il attend que je spawn et il me tue. Bravo, félicitations. Donc la partie va toucher à sa fin. J'espère que cette partie, même si elle a bugué, vous aura plu. Je vous laisse me donner votre avis. Est-ce que d'après vous, est-ce que j'aurais réussi ou non réaliser ma série de victimes? Moi personnellement je pense que oui. Après à vous de me donner vos avis dans l'espace commentaire. Du coup voilà, on se termine sur une magnifique killcam qui m'a été proposée par Noxy. Je remercie mes potes d'avoir d'être venus dans cette partie. Je m'excuse encore une fois que la partie est buggée. Je termine sur du 11-12 alors que tout à l'heure je faisais du 17-4. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette série vous plaît aussi. Et du coup voilà, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.